homme armé en vaut deux. Deux. Il semblerait que vous ayez enfin trouvé votre maître. N'avez-vous jamais appris à votre fils qu'il faut savoir laisser gagner les plus faibles? Et comment ne pas se sentir un sous-doué après avoir perdu 5 fois de suite? Tel père, tel fils, n'est-ce pas, Ali? Si je le laissais gagner, il le remarquerait et je paierais son respect. Je connais bien le caractère d'Oncle Fahad. Il n'aime se mesurer qu'à l'impossible. Il a raison. Franchement, vous ne trouvez pas que j'ai beaucoup de chance ce soir? C'est incroyable, non? Il admet lui-même que c'est la chance. C'est à mon avis quelque chose qui doit être vérifié. Si elle te poursuit, il faut en abuser. Tout va bien, Buck? Hey, Abdul, c'est gentil de venir. Je vous croyais occupé à parler business. J'avoue que ça me fait passer le temps. Alors, comment ça s'annonce? C'est du billard. Un ciel complètement fluide. Nous toucherons le sol de Los Angeles dans une demi-heure environ. J'espère qu'ils seront là comme ce qui était prévu. J'aimerais que vous cessiez de vous torturer, Abdul. Nous n'aurons pas à entrer dans l'aéroport. Une voiture viendra vous prendre sur la piste d'atterrissage. Vous êtes l'homme de toutes les situations, n'est-ce pas, Buck? Cette lettre est destinée à Russ Miller. Elle s'occupe du marketing de l'hôtel et de la gestion du casino. Je vais beaucoup vous regretter. Je penserai à vous, Jessica, dans votre rôle convaincant de femme d'affaires acharnée au travail. 24 heures sur 24, un vrai chef d'État. Je n'ai même pas réussi à vous convaincre de construire cet endroit de rêve. Mais sachez que j'ai apprécié ce voyage en votre compagnie. Le jour viendra où je saurai vous convaincre. Le premier qui bouge est un homme mort! C'est un kidnapping. Faites ce que je vous dis et tout ira bien. Toi, le môme, enfile ce parachute en vitesse. Non, pas mon fils. Ne le prenez pas. Emmenez-moi. Je vaux beaucoup plus que mon fils. Je vous en conjure, prenez-moi. Je t'ai déjà dit d'enfiler ce parachute. Débrouille-toi, tu sais le faire. Couchez-vous. Appelez l'aide de tout le monde. Plus un geste ou je tire sur la femme. Arrêtez. Ne tuez plus personne. Je veux bien venir. Ali. Ne vous en faites pas pour moi, père. Que personne ne bouge, sinon vous ne reverrez pas votre fils vivant. N'emmenez pas mon fils, je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Attendez. N'essayez pas de jouer au plus fin, on prendra contact avec vous par l'intermédiaire du consulat. Houston, il faut qu'on se couvre. Oh, ça vous ferait rien de me laisser finir ma brasse coulée? Ah, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut qu'il se fasse à centaines de signaux indiens. Moi, à sa place, j'aurais peur d'affronter les Sioux. Il pourrait croire que c'est des messages. Tiens, ça me donne une idée. Je devrais peut-être apprendre à envoyer des signaux de détresse et comme ça, quand Bobon arrivera, j'appellerai le chef indien à la rescousse. Poule mouillée, tu sais même pas nager. Bah, je peux essayer, non? Alors, c'est quoi aujourd'hui votre problème? Les brebis se sont encore enfuies. Houston, on a besoin de fric pour se faire la malle. Pour se faire la malle? Oui, la mare m'a convaincu d'aller en Bolivie tenter notre chance. C'est ça, oui, et puis dévaliser les banques et les trains comme Butch Cassidy. Vous avez attrapé une insolation? Mais c'est pire, ma femme veut me remettre le grappin dessus. Bella, ton ex-femme? Et celle qui a raflé 3 fois les prix de boxe au championnat des poids moyens. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle valait son pesant d'or, mais je croyais qu'elle s'était remariée. Ah, 8 ou 9 fois, d'après ma dernière comptabilité. Je suis recensé au numéro 2. Et seulement, dans le télégramme, elle dit qu'elle a longuement réfléchi et qu'en fin de compte, c'est Lamar le meilleur. Voilà pourquoi elle le veut, avec ou sans son consentement. Voilà, on était venu vous raconter tout ça. Ouais, écoutez, n'oubliez pas qu'on est en Amérique et qu'ici, on ne peut contraindre un mari par la force. Ben oui, je sais bien, mais en attendant, cette garce a l'intention de me kidnapper. Une seconde, j'ai comme l'impression qu'on ne va pas tarder à avoir un petit problème. Dites-moi, vous cherchez quelqu'un là? Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît. Vous avez l'air d'en vouloir à quelqu'un.
Je voudrais tout de même vous prévenir afin que la réaction de mon ami ne vous surprenne pas outre mesure. Houston est le genre d'homme qui n'en fait qu'à sa tête. Ce sont tes nouveaux gardes du corps. Je voudrais te présenter un ami de Buck McCune. Ce vieux Buck, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Buck McCune travaille pour moi et nous sommes très liés. Il m'a dit que vous étiez l'homme des situations délicates. Je serais enclin à le croire. Houston, laisse-moi te présenter à son Altesse Abdul Ibu Hassim et t'expliquer le but de sa visite. Son fils de 13 ans a été kidnappé la nuit dernière dans un avion que pilotait Buck. Si je comprends bien, ils sont repartis avec l'enfant en parachute. C'est exactement ce qu'ils ont fait et j'ai besoin de vous, monsieur Houston. Voulez-vous m'aider? C'est une noble cause, votre Altesse, et j'aimerais en toute sincérité vous offrir mes bons et loyaux services, mais je suis très chatouilleux, voyez-vous. J'aime les principes et je n'ai pas l'habitude d'accepter quoi que ce soit sous la menace des armes. La sortie est par là. Excusez-nous, monsieur Houston. Nous ne voulions pas vous importuner, mais suite à ce kidnapping, le service de sécurité a redoublé de vigilance, ce que je ne peux que déplorer. Attendez une minute. Un kidnapping, c'est quelque chose dont on parle dans tous les journaux du matin. Or, ce matin, j'ai lu le journal, j'ai regardé les informations, et on n'en a pas parlé. Raison politique, secret d'État. On ne peut ébruiter pareille affaire sans provoquer des conflits internationaux. La situation interne de notre pays ne nous rend pas la tâche facile. Malheureusement, nous devons faire preuve d'une grande discrétion. Et avez-vous un doute, une piste? Mes vols sont tous vérifiés avec la plus grande minutie. Mon service de sécurité est féroce. La seule façon logique d'expliquer ce qui est arrivé pendant le vol la nuit dernière, c'est qu'il devait avoir un complice dans l'avion. Houston, la sécurité royale nous a envoyé les dossiers concernant toutes les personnes se trouvant à bord, mais ces informations ne nous mènent absolument à rien. Bon, écoutez, votre Altesse, je vais faire tout mon possible. Je peux vous joindre quelque part? Oui, au consulat. J'y serai en permanence, attendant les ordres de ceux qui ont enlevé mon fils. Monsieur Houston, tâchez de le retrouver au plus vite. Je vais essayer, votre Altesse. Merci. Eh bien, au travail, bébé. Salut, patron. Bon. Mis à part le roi Abdul, il y avait 6 autres personnes pendant le vol durant lequel a eu lieu le kidnapping. Commençons donc avec la victime, le petit Ali. Entendu. Voici donc Alice, un jeune enfant fragile, fils unique de son Altesse Abdul, un enfant réputé intelligent, voire brillant, interne dans un collège de Londres. Nous pouvons éliminer d'emblée le copilote et le garde de la sécurité qui ont été abattus pendant le kidnapping. Il n'en reste donc plus que 4. Si je comprends bien, je n'ai droit qu'à une seule réponse. Regarde bien, Houston. Voici le portrait de Farhad Ibn Hassim, frère du roi et oncle du petit Ali qu'il adore. Cependant, un peu en arrière, on découvre que le père d'Abdul et de Farhad est mort il y a moins d'un an, laissant les deux frères en butte à une lutte pour le trône. Apparemment, les gens furent surpris de voir Abdul remporter la victoire. Ils ne s'y attendaient pas. Insinuerais-tu que Farhad... D'après la rumeur, il préparait un coup d'état militaire. Nous avons là une piste. Même si quelque chose me dit que c'est la fausse, tout ça est trop évident. Ça ne ressemble pas à leur façon d'agir. C'est vrai. À qui le tour? Jessica Collier, son père était devenu un véritable magnat de la presse. Il est mort l'an dernier et c'est elle qui dirige maintenant tout cet empire. Intéressant. Et que faisait cette charmante jeune femme dans l'avion? Elle revenait d'une négociation assez malchanceuse. Le roi a refusé sa proposition. Elle projetait de construire un hôtel casino, mais Abdul a refusé de financer l'affaire. Apparemment, l'idée de faire construire un hôtel de luxe le séduisait, mais ce qui lui plaisait moins, c'était l'idée du casino. Mais il n'a pas tort. À qui le tour? Au pilote. Salut, vieux frère. Frank Thomas Buck McCain, le genre de héros qu'on voit dans les films. Un jour ici, un jour là, mais toujours en première ligne. Actuellement, il est conseiller et pilote du roi Abdul. Je sortais à peine des bras de ma nourrice quand il m'a appris la boxe. Je l'ai revu à 15 ans, il m'a donné ma première leçon de vol. Et à 16 ans, un jour qu'on faisait de l'escalade, il m'a empêché de tomber dans un précipice. Houston, où vas-tu? Il faut absolument que je découvre ce qui s'est passé sur cet avion. Quelque chose ne colle absolument pas. Je dois voir Buck. C'est lui qui a voulu que j'intervienne. Une chose encore, Diameret de fourrer son nez dans les affaires de cette Jessica pour voir ce qu'elle fabrique depuis qu'elle a pris la relève. Mais j'espère que c'est une jolie femme. Oh, puis non, j'ai beaucoup trop de travail comme ça. Mais celle-ci est vraiment superbe, vous allez être séduit. Ah bon? Rappelle le collège du petit Ali et trouve-moi tout ce qui éventuellement servirait à assembler toutes ces jolies pièces du puzzle. Tu veux bien? Vous voulez que si j'y appelle l'Angleterre juste pour vérifier si ce gamin est un athlète? Oui, ceci dit, pour un amateur de sport, vous m'étonnez. Mec. Oh, Matt.
Putain, ça alors, mon albatros des collines hollywoodiennes. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, petit. Eh ben dis donc, on se mouche pas avec les doigts. Il faut être milliardaire pour avoir un joyau pareil. Buck, je suis content de te revoir. T'as pas changé, hein. Même façon de parler, même sourire de tombeur, vieux renard. Tu sais, si j'ai accepté cette affaire, c'est un peu pour toi. À vrai dire, c'est une sale affaire. Elle me touche de près. Écoute, Buck, son Altesse a l'air de penser que la seule façon d'expliquer ce kidnapping, c'est qu'il y a eu complicité de la part de personnes se trouvant à bord de l'avion. Et je crois qu'il a raison. C'est la seule chose qui semble à peu près logique, et ça n'a pu avoir lieu qu'à New York. C'est là que je me suis posé pour faire le plein. 20 minutes plus tard, j'étais prêt à décoller en ayant tout vérifié par moi-même. Il n'y avait aucune trace de passager clandestin. Quelqu'un a dû se glisser pendant ces 20 minutes. Il a dû entrer par la soute à bagages. Je ne vois que ça. Je vais te dire, le type qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Il a attendu que je descende en altitude pour sauter avec l'enfant, ce qui prouve que tout était réglé d'avance. Tu sais, tu vas trouver une carte et me montrer avec précision où ça s'est passé et comment. Ben, je vais essayer de t'en trouver une et je te dirai tout ça dans une heure. Pendant que j'y suis, tu as besoin d'autre chose? Oui. Et si tu insistes, j'aimerais avoir quelques renseignements sur Jessica Collier. Ah, c'est une jolie femme. Elle exhale un parfum étrange, une odeur de tubéreuse, de plantes vénéneuses. Ah, tu as l'air de la porter dans ton cœur. Tu as toujours eu le don de percevoir les gens, c'est incroyable. Mais il y en a un qui n'a pas résisté à son charme venimeux, c'est Abdul. Par contre, tout est au point mort depuis qu'il est roi. L'étiquette oblige, même pour un roi du pétrole. C'est ce qui se dit dans les couloirs du palais. Mais le cours de l'histoire change vite. Bon, alors, allons-y. En place. Ah, si vous voulez faire sensation, vous feriez mieux de prendre des poses un peu plus alléchantes. Hein. Je fais pas des photos pour des produits, pour amidonner les chemises. Mais pour des crèmes solaires. Une autre approche. Allez, vas-y. Mademoiselle Collière. Ah, tout de même, j'ai cru que vous ne viendriez pas. Studio B, derrière cette porte. Dites donc, vous êtes musclé, ça change des autres. Attendez, je ne suis pas mannequin de carrière et je n'ai encore jamais fait de photos. Tant mieux. Allez, déshabillez-vous et montez sur l'estrade. Ah, je veux bien me mettre en slip si ça vous fait plaisir, seulement ce n'est peut-être pas ce que vous attendez de moi. Moi, je suis sur l'affaire d'enlèvement et je m'appelle Matt Houston. Oh, je suis désolée. Oh, je suis véritablement confuse. Au fait, vous avez du nouveau? Est-ce qu'on a réussi à le sauver? On en est toujours au même point. C'est affreux. Abdul donnerait sa vie pour cet enfant. Ne pas savoir s'il est vivant ou mort, s'il a survécu à ce saut en parachute. Pourquoi êtes-vous venu? Je viens glaner quelques informations qui, sans doute, pourraient contribuer à sauver Ali. Quelqu'un à bord a dû leur prêter main forte. Non, c'est impossible. Abdul n'est entouré que par des gens... Je vous préférais dans votre rôle d'apprenti mannequin. J'ai dit quelque chose qui vous a fâché? Je n'aime pas vos insinuations. Et si je vous ai bien compris, Monsieur Houston, je suis moi-même un éventuel suspect. Ah, attendez, je n'ai jamais rien dit de tel. Ma visite n'a pour but que de vérifier l'emploi du temps de chacun pendant les 20 minutes d'escale à New York. Il y va de la vie de cet enfant. Tony va se charger de vous reconduire. Vous savez que vous êtes trop nerveuse. Vous devriez vous détendre. Racontez-moi comment avance votre projet d'hôtel casino. Comment peut-on être insensible à un tel projet? Bien sûr, s'il ne se fait pas, c'est ennuyeux pour votre entreprise. Pour vous en sortir, il vous faudrait au moins la rançon. Tony, jette-moi ça dehors. Oh. Tu sais, Hercule, tu as de beaux yeux, mais tu n'es pas mon type, je préfère les bruns. Oui. Quelqu'un cherche à m'embêter. Il s'appelle Matt Houston. Ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Parce qu'on me tire dessus, alors il fallait bien que je me sauve. J'espère seulement qu'il n'est plus là. Ne bougez pas, et tous mes voeux. Toi, bien sûr. Vous devez être Monsieur Houston. Je suis le prince Fahd ibn Nassim Adan, chargé de vous accueillir au nom de mon frère. Je vous remercie beaucoup, je suis ravi de vous connaître. Il y a
Annie. Et vous, chère mademoiselle, vous devez être son assistante, mademoiselle C.J. Parsons. Oui, mon frère m'avait vanté votre beauté, mais j'étais loin de m'attendre à autant de charme, à autant de présence. Vous êtes très aimable. Vous exercez le métier d'avocat, dit-on. Mm. Eh bien, j'ai donc trouvé mon maître. Je n'en entendais pas moins de vous et je vous ai préparé quelque chose. Prince Farhad, nous sommes extrêmement touchés par votre accueil. Seulement, monsieur Houston est attendu par son Altesse. Oui. Ah, vous savez, on ne peut déranger le roi que s'il en donne l'ordre. D'autant qu'il se remet mal de ce kidnapping. Il est plus que déprimé et personne ne parvient à le consoler. Vous ne semblez pas être dans le même état d'âme. Ah, te voilà enfin. Un échantillon de mon admiration pour vous, mademoiselle C.J. Parsons. Eh bien, quelques diamants et rubis extraits de nos mines ayant autrefois été celles du roi Salomon. Est-ce qu'il vous convient? Les femmes et les diamants font bon ménage à ce qu'on prétend. Prince Farhad, je suis très touchée, mais non, merci. Ah, vous faites partie de ces femmes inaccessibles, celles qu'on n'achète pas, même avec des diamants. Tant mieux. J'adore la difficulté. J'adore gagner également. Je ne suis certes pas de ceux qui perdent avec le sourire. Non, je crois que personne n'aime perdre avec le sourire. Et qu'avez-vous fait quand votre frère a été élu roi à votre place? Avez-vous continué à garder votre sourire? Ah, on me fait un signe. Monsieur Houston, il semblerait que mon frère soit prêt à vous rencontrer. Son secrétaire va vous y conduire. Monsieur Houston. Dites-moi, aurais-je commis un impair avec mademoiselle C.J. Parsons? Oh, rien de grave. Elle a simplement horreur des diamants et des rubis. En revanche, je ne l'ai jamais vu résister devant un saphir ou une pizza. Ah, elle est folle des pizzas de Mamma Novelli. Vous savez, le petit restaurant italien si branché qu'on ne peut y aller sans réserver. Très bon. Pizza. Soyez les bienvenus. Vous venez de faire connaissance avec mon frère, n'est-ce pas? Ne vous y méprenez pas, Houston. Il n'est pas aussi futile que le prétendent ses ennemis. Il est rusé, il est cultivé, intelligent. Et plein d'ambition. Ambitieux au point de kidnapper votre fils pour déstabiliser votre pouvoir? Vous me décevez. Avez-vous une piste sérieuse? Bon, sûrement, hein. À en juger l'acharnement avec lequel vos ennemis se sont mis à me traquer dès que j'ai pris cette affaire en main. Ah oui, on m'a même tiré dessus. Oui, je sais cela. Vous le savez déjà? Ceux qui retiennent mon enfant m'ont contacté. Il y a à peu près une vingtaine de minutes de cela. Si je continue à utiliser votre collaboration, ils mettront leur menace à exécution. Ils tueront Ali. Quelle décision avez-vous prise? Est-ce que vous... Dans ma religion, monsieur Houston, nous sommes supposés prier en nous inclinant vers la Mecque orientée vers l'Est. Ceci 20 minutes par jour en commençant au lever du soleil, ni une minute avant, ni une minute après, mais juste à ce moment-là. Ça n'est pas une chose facile à établir, surtout pour des nomades. Prenons l'exemple de ce peuple du désert qui n'a aucun repère, ni boussole, ni montre, et qui cependant trouve un moyen. Ils accrochent deux bouts de fil sur le revers de leurs mains. L'un blanc, l'autre noir. Et c'est à ce moment précis quand vous pouvez distinguer le blanc du noir qu'a lieu le lever du soleil, le moment de prier. C'est subtil et précis, monsieur Houston. Le genre de subtilité que vous allez devoir utiliser pour sauver mon fils de la mort. Ramenez-le moi et les noms de ceux qui m'ont trahi. Vous ont-ils réclamé une rançon? $1 milliard, j'ai déjà accepté de payer. À la condition de pouvoir parler à mon fils. Ils doivent me rappeler à 20h. Vous avez dit $1 milliard, $1 000 millions? Qui que ce soit, il connaît les finances et l'économie. Ils m'ont demandé de leur livrer cette somme sous la forme de $100 000 US et le reste en bon du trésor. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Enfin, presque. Une inconnue reste à résoudre. De combien de temps disposons-nous pour pouvoir agir? Il ne m'a encore rien dit. Oh, votre Altesse a tort de ne pas me faire confiance. Je sais bien, l'état de votre fils est grave. Et combien de temps pourra-t-il tenir sans médicaments? Comment l'avez-vous su? Quand vous êtes venu au ranch, vous m'avez parlé de votre fils. Un détail m'a intrigué. Vous l'avez emmené en voyage juste avant les examens du deuxième trimestre. C'était illogique. Quelque chose ne collait pas. À cela s'ajoutait un fait assez curieux. Alors que votre fils semblait doué d'une grande habileté dans les disciplines sportives, il a soudain été dispensé de gymnastique. C'est vrai, Ali a un problème cardiaque, une maladie qui s'est développée récemment. On m'a assuré qu'avec l'aide d'une opération, il serait guéri. Voici donc l'explication de ce voyage impromptu. Oui. Mais pourquoi autant de mystères autour de cette maladie? Malheureusement, mademoiselle Parsons, dans le pays où je suis né, l'être affaibli est un être condamné. Je vivais dans la crainte qu'on arrive à le savoir, ce qui m'aurait valu de la part de mes ennemis d'incessantes intrigues. J'ai hélas la très nette impression qu'elles ont déjà commencé.
Ça faisait longtemps. Comment ça va, Buck? Jusqu'à ces derniers temps, tout avait l'air de bien rouler. Et puis tout à coup, l'invasion a commencé. Flics, agents du FBI, enfin toute la grande armada au complet, tu connais? Ils prétendent avoir reçu un coup de fil anonyme. Ils ont squatté tout l'avion. Houston! Houston! Ah, Vince, celui qui ferait parler un mort. Bon, ne t'inquiète pas, Abdul réclame l'immunité diplomatique. Aussi, techniquement, ils ne peuvent rien faire, mais les connaissant, et ce depuis pas mal de temps, je préfère prendre quelques jours de congé. C'est ton droit le plus strict. Montre-moi sur la carte l'endroit où ils d'accord, ont pu sauter. Viens me rejoindre au hangar 4. À tout à l'heure. Ah, Vince! Houston! Vince! Quand on dit que le monde est petit. Si tu es là, Houston, c'est que quelque chose de louche se trame, et si c'est le cas, tu ferais mieux de mettre les agents fédéraux au parfum. Je voudrais bien t'aider, mais il est parfois plus sage de laisser certaines questions sans réponse, tu ne crois pas? Ça sent le bruit? Plutôt le roussi. On dirait que tu tiens à me voir finir comme garde champêtre. Alors, tu vas m'en parler. J'aurais bien dit quelque chose, mais cette fois, il y va de la vie d'un gamin. Si les médias l'apprennent, ils n'hésiteront pas à assassiner cet enfant, et il y a de grandes chances que ce soit déjà fait. Bon, mais n'oublie pas de me tenir au courant. Je n'y manquerai pas, Vince. J'aurai sûrement besoin de ton aide. D'accord. Allez, c'est ce qui s'appelle travailler chacun dans son coin. Qu'est-ce que tu fabriques encore? J'essayais de connaître l'identité de mon agresseur avant que celui-ci ne joue la fiscalaire ratée. Ça pourrait être pire après avoir balayé le macadam de long en large et en travers. Bon, cette fois, vous m'en avez trop dit ou pas assez. Racontez-moi tout ce que vous savez, c'est un ordre. Houston, nous avons découvert un avion criblé de balles appartenant à un gouvernement étranger. Et bien sûr, ce gouvernement a droit à l'immunité diplomatique. Là où cette histoire rejoint la vôtre, c'est qu'apparemment, l'avion avait décollé avec à bord un enfant de 13 ans et qu'il a atterri sans cet enfant. Bon, est-ce que je peux... Si ça n'est pas un kidnapping, comment appelez-vous cela? Vince, donne-moi un peu de temps. Et qu'est-ce que je vais raconter à nos amis du FBI? Je vais peut-être leur faire croire que je célébrais notre grande fête nationale avec de l'avance. Non, laissez-moi aller les voir. Je suis infaillible. Je peux parler des heures durant pour au fond ne rien dire du tout. C'est un fait que je peux confirmer sans réserve. Écoute, Vince, je sais que tu as la conscience professionnelle exacerbée, je t'en félicite, mais s'il te plaît, reste en dehors de... Qu'est-ce que tu fais d'une vieille amitié de 15 ans? Je ne te demande rien d'officiel. Je veux juste savoir s'il y a eu oui ou non kidnapping. Oui, il y a bien eu kidnapping et le ravisseur a entraîné cet enfant de 13 ans en parachute au-dessus d'une région montagneuse. C'est pourquoi je suis venu voir Buck qui connaît bien la région et qui accepte de m'aider. L'ennui, c'est que l'endroit où ils ont sauté est immense. Comment faire une estimation? Beaucoup trop d'imprécisions, beaucoup trop d'inconnus, mais ils devaient correspondre par radio. Très juste. Tout cela a dû être un travail d'équipe, probablement aidé par un hélicoptère qui maintenait la communication. J'ai compris. Je vais vérifier les vols d'hélicoptères ou d'avions légers qui étaient dans le secteur hier soir. Bon, et maintenant, comment fait-on pour sortir d'ici sans tomber sur la meute du FBI? Tu me surprends énormément, Buck. Tu m'as enseigné à être un battant, à toujours aller de l'avant, et je ne te reconnais vraiment plus. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Messieurs, le pilote veut bien nous accorder un entretien. Oui, mais où est l'autre? Quoi, quel autre? Vous savez bien, celui qui ressemble à un cow-boy.
très à propos, c'est Jim. Tu sais que tu es très drôle. Et d'abord, qu'est-ce que tu viens faire ici? T'aider, comme d'habitude. Murray a recueilli des informations sur Jessica Collière. De surprenantes informations. Elle n'arrive pas à gérer l'importante société qu'elle a héritée de son père. Elle a un passif d'environ 50 millions de dollars qu'elle doit combler tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Du mal, car dans le milieu où elle opère, on ne plaisante pas avec les dettes. Ah, exactement. Le projet de cet hôtel casino était donc quelque chose de vital. Et pourquoi tu n'essaies pas de tourner la clé de contact? C'est justement ce que je m'apprêtais à faire, tu sais. Bon, très bien. Alors, plusieurs appels du consulat. Le roi te demande de l'y retrouver avant 8 heures ce soir. Pour être là-bas quand les kidnappeurs vont appeler, c'est ça? Oh, décidément, tu es un génie. Oui. Merci. Merci d'être venu, monsieur Houston. Je tenais absolument à vous remercier pour tout ce temps passé à essayer de sauver mon fils. J'ai déjà dit à ma secrétaire de préparer votre chèque. J'espère que la somme vous satisfera. Un chèque? Je tiens à m'expliquer. Hélas, je n'ai plus besoin de vos services, monsieur Houston. C'est fini. Et quelque chose a dû arriver à votre fils, sinon je ne comprends plus rien. J'espère que non. Si je veux regarder objectivement la situation, je dirais qu'Allah me joue une farce que je dois mériter. Excusez-moi, mais je n'arrive pas encore à vous suivre. C'est très simple. J'ai été élu pour mes réformes. J'ai placé ma mission bien au-dessus des biens terrestres et ma propre famille doit passer après. J'ai promis aux gens de leur redonner l'abondance, qu'il n'y aura plus de pauvres. Et c'est à ce moment-là qu'on me prend mon fils et qu'on exige une rançon. J'étais prêt à la payer. J'allais oublier les promesses faites à tous ces gens pour sauver Ali. Vous avez pris la décision de ne plus payer la rançon. Je vois que vous ne me comprenez pas, monsieur Houston. L'absurde des rois ici. Quand on prétend réformer un pays, on ne dilapide pas son trésor. Je paie très cher la place que j'occupe, puisque j'y sacrifie ce que j'ai de plus cher au monde. Je n'ai malheureusement pu recevoir la somme exigée. Vous pouvez obtenir des emprunts. Il n'est pas possible que vous n'ayez pas d'autres ressources. Bien sûr, mais ça prendrait trop de temps. Et vous savez bien qu'il y va de sa fille. Abdul, répondez-moi. Je vous en prie. Il n'y a personne au monde qui puisse vous blâmer de sauver votre fils. Qu'allez-vous dire quand les kidnappeurs vont vous rappeler? Je devrais leur avouer que je n'ai pas l'argent. Même en faisant appel à mes meilleurs amis, j'arriverai tout juste à quelques millions. Ils ne s'en contenteront pas, je le sais. Abdul, ne leur dites pas ça. Je veux essayer de vous sortir de cette impasse. Je veux le sauver. Oui, mais comment? Écoutez, nous allons leur donner une valise pleine de journaux, de pierres, mais nous allons essayer. Quand ils découvriront la vérité. Écoutez, c'est la seule chance que nous ayons. Alors saisissons-la. Vous êtes d'accord? Courage. Abdul à l'appareil. Père. Ali. Comment vas-tu? Il me traite correctement. La seule chose, c'est que j'ai très froid. Et aussi, je me sens très faible. Vous avez entendu, il est vivant. Vous avez la rançon? Tout ce qu'on a dit... Oui, j'ai tout réuni! Tout est en bon du trésor, porteur. Je vous l'ai fait parvenir par un homme dénommé Matt Houston. Nous devons réfléchir. Nous vous rappellerons pour les dernières instructions. Par quoi commençons-nous? Donne-moi les renseignements diffusés par les tours de contrôle. On a bien repéré un hélicoptère qui manœuvrait ce soir-là. Il n'y en a eu qu'un et c'est sûrement le même que les kidnappeurs ont emprunté. Je crois que je vais deviner la suite. Personne n'a pu les identifier. Exact. Vincenzo! Vincenzo, eccolo un'altra volta. Tu sais, le fou, l'homme qui veut tout acheter ici. De quel fou me parles-tu? Mais tu sais bien, celui qui vient toujours avec une espèce de drap sur la tête. Celui qui veut me forcer à vendre mon restaurant. Le prince Farhad? Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ah, je dois t'avouer que c'est de ma faute, mais je lui ai dit que tu étais folle des pizzas de la maman. Tu as fait ça? Ah, mademoiselle C.J. Parson, votre beauté me ravit et je ne dis que pour vous. Ah, pour vous rendre hommage, quelques saphirs qui feront ressortir votre éclat. Et combien de cœurs avez-vous dû briser?
Je suppose que tu es à l'origine de ces cadeaux. Bien oui, j'avoue. Oui. Ah, Madame Novelli, je vous en supplie, vendez-moi votre pizzeria. Non, écoutez, non, je vous en offre 5 millions. Non, si vous préférez, disons 10 millions. Mais votre prix sera le mien. Vous savez, je suis fou de cet endroit. Je crois que je vais m'éclipser discrètement et très vite. Oui, c'est ça, va-t'en. Je ferai mieux de me mettre au travail, car les kidnappeurs attendent une rançon que je n'ai pas l'intention de leur donner. Et d'une, et de deux, je ferai mieux de procéder par élimination. Ainsi, Monsieur Houston nous quitte déjà. Hélas, Prince, oui, le devoir m'appelle, mais je suis certain que nos chemins vont se croiser. Ah, encore une chose, les saphirs et les pizzas ont su la conquérir, vous savez, les folles d'eux, non ? Vous buvez en solitaire? Oui, surtout avant d'être rejoint par une très jolie femme. Une petite coupe de champagne? Merci. Au téléphone, vous m'avez dit que c'était urgent. Ça a quelque chose à voir avec Ali? C'est presque ça. Ça a à voir avec votre vie, avec la mienne, et pour nous résumer, ça a à voir avec notre futur, si nous savons bien mener nos affaires. Le roi Abdul désire que je me charge de récupérer l'argent. Enfin, tout ceci n'est pas fait pour vous étonner. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Allons, Jessica, ne niez pas. Vous avez manigancé le kidnapping, c'est tout. Vous êtes un malade. Sire, n'essayez pas de nier l'évidence. Vous êtes au bord de la faillite, et seul un miracle pourrait vous en sauver. Vous avez emprunté des quantités énormes d'argent à des créditeurs qui ont tendance à devenir menaçants, n'est-ce pas? Quant à votre soi-disant amitié avec le roi Abdul, il est très facile de conclure qu'elle a été elle aussi préméditée. Comment osez-vous affirmer ça? Vous devriez avoir honte. J'adore ce petit. Cet enfant est un peu le mien. J'aime beaucoup Abdul. Je suis peut-être une déplorable femme d'affaires, mais cela ne vous donne pas le droit de me discréditer auprès des gens que j'aime profondément. Abdul? Excuse-moi, Jessica. Excusez-moi, Jessica. Nous essayons tous les moyens pour le sauver. Cependant, ce que je vous ai dit au téléphone reste vrai. C'est une question de vie ou de mort. La vie d'Ali. Allô, ici Abdul. Écoutez bien les instructions. Je ne les répéterai pas deux fois. Moi aussi, tu vas m'écouter. Tu ne crois pas empocher tout cet argent sans qu'on ait des garanties pour l'enfant. Alors tu vas demander à ton patron de venir au téléphone. Nous ne négocions pas avec les sous-fifres. Dis à Buck McCune de venir à l'appareil. Salut Matt, c'est la première fois que je te déçois, hein? Écoute, Buck, ce n'est pas trop tard. On peut encore faire marche arrière. Libère cet enfant. Et tu as ma parole que tu auras le temps nécessaire pour t'enfuir. Ouais, d'accord. Matt, les millions de dollars contre l'enfant. Où et quand? Cabine téléphonique, avenue Griffiths, à côté de l'observatoire, 8h du matin. Tu devras suivre mes instructions pour que je m'assure que tu es bienvenu seul. Houston. Salut, Matt. Salut, Buck. Écoute bien, Matt, je ne tiens pas à ce qu'il arrive quoi que ce soit. Souviens-toi de tout ce que je t'ai appris quand tu étais mon élève. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu oublies autant les principes de base? Tu disais l'honnêteté et le respect de la parole donnée. Tu essaies de gagner du temps? Regarde en face de toi. Il y a une moto qui t'attend. Roule dans la direction où elle a été mise. Tu en descendras au prochain croisement. Tu auras 4 minutes pour parvenir à la cabine téléphonique qui est en bas du chemin coupe-feu. Sinon, nous exécuterons nos menaces. Téléphonique en bas du chemin coupe-feu. Ah.
Désolé de vous avoir fait peur. Rien de méchant, Vince. C'est juste le métier qui rentre. Non, oh, bon Dieu. Houston! Le chemin qui est en face de toi conduit à la maison du gardien. Tu n'as que quelques minutes pour atteindre le téléphone. D'accord. En route pour la maison du gardien, Vince. Houston, si tu m'entends, dis quelque chose! Houston, tu as dû t'apercevoir que j'étais seul, alors s'il te plaît, voudrais-tu avoir la complaisance de ralentir le rythme? Tu vois l'arrêt du bus de l'autre côté de la route? Il y en a un qui va s'arrêter dans une minute. Tu monteras. Il est là. Hé! Tu dois attraper le bus, Vince. Aussitôt que je connaîtrai sa direction, je te le ferai savoir. Hey! Joliment entraîné, hein? Tu ne montes pas, tu me donnes le sac. Tu nous as promis le petit. Ça m'ennuierait qu'on en vienne jusque-là. Je t'aime bien. Buck, écoute-moi. Le gamin n'a aucune chance de s'en tirer si on ne l'emmène pas d'urgence chez un docteur. Passe-moi la rançon, ou le gamin n'aura aucune chance. Hey, hey! Arrêtez! Vous pouvez m'aider? Tenez, vous allez me louer votre voiture. Mais pourquoi faire? Et voilà, ça c'est ma carte, et ça, voilà, c'est pour vous. Tenez, gardez tout. Vous êtes très très gentil, merci. C'est trop, monsieur Houston! Fonce à l'aéroport et vérifie que l'avion est prêt. On a joué sur du velours. Comment va l'enfant? Non mais, ça a du velours? Tu t'es bien fait avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'avais bien dit de ne pas y mêler ce type, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Si c'est lui qui s'en charge, il ne pourra pas me soupçonner. Donne-moi ça tout de suite, là où tu vas aller, il ne te servira pas. Il a raison, Grégoire, allez, laisse tomber, c'est fichu. Je n'irai jamais en prison, tu ne voudrais pas que je laisse m'arrêter, non? Essaye. Grégoire, attention. Qu'est-ce qui m'a pris? Tu veux bien me le dire? Oh. J'ai pas envie de m'en tirer, j'ai fait trop de gâchis. Je ne veux pas aller en prison. Buck, pourquoi tout ça? J'en ai eu marre d'être un pauvre mec. Un pauvre chauffeur, même si c'était un jet. Marre d'être Lufia. J'ai toujours rêvé d'être à mon compte. Et Matt Houston, tu dois m'en vouloir, hein?
de sortir de là. Houston, où est Buck McKeown? À l'intérieur, Vince. Il m'a encore sauvé la vie. Je me demande comment il a fait pour découvrir que c'était Buck. En procédant par élimination. Après avoir écarté Jessica Collier, il restait en tête de liste le prince Farhad, mais en faisant quelques recherches, il découvrit que ce dernier n'était bon qu'à organiser les safaris à l'escargot. Et encore. Quelle vie de chien. Je vais vous raconter une petite histoire. J'avais 8 ou 9 ans et nous vivions encore à Lübeck à cette époque. Il y avait un club de football local et les types qui en faisaient partie étaient fantastiques. Il y en avait un surtout qui était meilleur que les autres. C'était mon idole. Ah, je m'en souviendrai toute ma vie. Je vivais dans l'espoir de faire sa connaissance. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris la décision de lui demander un autographe. Vous savez, dans un de ces carnets recouverts de cuir. Bref, je le vois s'avancer vers moi. J'ai cru m'évanouir tellement j'étais ému. J'arrive à sa hauteur, je m'approche. J'étais comme cloué sur place, serrant mon petit carnet contre moi et souriant aux anges. Et lui, il a dit cette phrase gravée à jamais dans mon cœur. Hey « Minus, tu vois pas que tu gênes? Va donc voir ailleurs si j'y suis. Ben alors t'es sourd ou quoi ?» Le monde s'écroulait devant moi. Je me suis jamais senti aussi humilié de ma vie. Il m'avait porté un coup mortel. Comme les célibataires endurcis, j'ai les réveils nostalgiques et amers, excusez-moi. Ça arrive à tout le monde de ne pas avoir le moral. Et c'est à ce moment-là que les copains y servent à quelque chose. On est venu te parler de Bella. Bella? Hein? Ah, la femme fatale. Ah oui, à propos de Bella, tiens, elle est encore venue te réquisitionner? Ah oui, elle est venue. Mais je l'ai feinté et je lui ai fait croire que je rejoignais l'armée de réserve. Il lui a fait croire qu'il était envoyé en Afrique. Tu sais, elle est bête, elle a tout gobé, on l'a roulé avec une facilité. Oui. Lamar, petit Minus, qu'est-ce que tu fiches encore? Lamar, putain, mais c'est moi qui vais te chercher.